Merci Philippe pour cette belle conférence. On va passer, comme tu nous l'as proposé, à un temps d'échange où effectivement vous avez la parole. La parole est partagée. Donc qui veut le micro me le demande et je lui apporte. La première question, c'est toujours la plus dure. On va passer à la deuxième. C'est jamais le centre. Bon, c'est la troisième. Vous avez dit tellement de choses qu'il faut un petit peu. Voilà. Voilà. Bonjour. Dans votre présentation, vous avez parlé effectivement que la loi venait de changer sur l'expérimentation, le fait d'avoir une ventilation naturelle, de construire des bâtiments nouveaux. Sans ventilation, sans... Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, s'il vous plaît. En fait, ça ne concerne pas que la ventilation. Comme j'ai mis l'accent sur la ventilation, j'en ai parlé, mais le droit de faire, la possibilité d'innover est aujourd'hui dans la loi. Et donc, ces expériences... Il y a même eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par un secrétariat d'État, je ne sais plus lequel, sur ça. Et du coup, le projet que l'on fait à Bordeaux, où il n'y a plus du tout de ventilation mécanique, on va le présenter pour ce travail-là. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on nous autorise à faire des tests différents à partir du moment où on arrive aux résultats légaux. Après, quels sont exactement les critères de résultats légaux, ça fait partie des choses qui sont à négocier dans le temps de l'expérimentation. Aujourd'hui, l'État se montre positif sur ça. Il s'est toujours montré positif sur nos expériences en matière de ventilation naturelle. Pour Saint-Nazaire, on a négocié avec lui pendant un an la possibilité d'innover. Donc on a eu la possibilité d'innover. On a fait nos calculs, on a réalisé que 3 jours par an, on ne renouvelait pas suffisamment l'air. Mais nous, on s'en moque puisqu'on a des fenêtres dans les salles de bain. Donc on a dû renégocier avec lui pendant un an la possibilité de déroger. On l'a obtenu. Pardon. Et puis, on a lancé la construction, et là, bien sûr, l'entreprise qu'on avait avec nous n'avait pas l'assurance pour l'innovation. Donc, on a dû passer par une ATEX. Donc, on a demandé l'autorisation au CSTB. Et là, patatras, alors que le maître d'ouvrage avait reçu de l'argent de l'Europe, de l'État, de la région, enfin, tout le monde voulait voir une expérience différente de ventilation naturelle, le CSTB nous refuse l'ATEX. Donc 4 ans de travail à l'eau, 5 ans de travail à l'eau. Et là, j'ai appris à refuser le refus. L'enjeu était tellement grand que si j'ai dit « Ah ben d'accord, excusez-moi, j'aurais pas dû ça », ça marchait pas. Donc on a refusé le refus, parce que j'ai vu que les gens qui étaient assis à côté de moi, ils étaient aussi bons que ceux qui étaient assis en face, hein. Enfin, très clairement... Quand vous avez Alain Bornaval assis à côté de vous et Eric Hutter de l'autre côté, c'est bon, quoi. C'est pas juste des rigolos qui ont envie de ne pas mettre de moteur. Et donc, on a refusé le refus. Ils nous ont autorisé une seconde ATEX que l'on a obtenue au titre de l'innovation. Comme le client me mettait un peu en cause et qui disait « Vous vous rendez compte, toutes les subventions que j'ai eues, si ça ne marche pas, vous allez me rembourser. » C'est la mort d'un atelier, ça. Donc j'avais un peu le ciel qui était bas. Et j'ai reçu un SMS d'Alain Bornarel, alors que j'étais à la réunion, où il avait écrit un texte OK. Je dois vous dire, et j'ai en tête tout. Hein. Le lieu, le téléphone, enfin, un texte OK, mais vraiment, le ciel s'est relevé. Quoi. Et j'ai senti que c'était possible. Donc voilà, il y a des combats quoi, sur ça. Mais on peut le faire, et je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce décret, ce sera plus facile de le faire. Bonsoir. Je vais essayer d'être clair, j'ai 3 petites questions plus ou moins. Vous pouvez en prendre qu'une seule ou les 3. J'aurais aimé savoir par rapport à ce projet, au dernier projet, si vous aviez pu aller plus loin, qu'est-ce que vous auriez aimé
pousser encore plus loin dans la réflexion, parce que j'imagine qu'il y a un projet, il y a toujours des compromis à trouver. J'ai raté une partie de la conférence, alors peut-être que ma question est totalement à côté de la plaque, mais j'aurais aimé avoir votre point de vue aussi sur la question du E plus c'est moins et les fiches du déclaratives environnementales, si vous aviez un avis ou un regard critique là-dessus. Et puis je vais m'arrêter là. Voilà. Merci. Non, E plus c'est moins, j'ai des ingénieurs qui sont très bons pour ça. Je suis vraiment architecte. Hein. Et je m'attache à ça. La complexité de l'affaire, je la délègue à des amis sur lesquels je compte beaucoup. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand on se retrouve à l'étranger et que l'on pose la question du carbone, on voit que plus c'est moins, ça nous a donné une petite longueur d'avance. Donc voilà. Trop complexe pour moi, mais en tout cas, une avancée. Une avancée. Qu'est-ce que j'aurais fait de mieux ici? J'aurais utilisé un peu moins de béton. Puisque dans la discussion avec Bouygues, leur savoir-faire était bien sûr un savoir en jeu aussi, et que l'on a fait chacun des choix, et enfin, je ne dirais pas des compromis, mais au moins des choix. La conséquence de ça, c'est que comme les refends sont en béton, il y a une inertie au logement qui fait que sans doute que la qualité de l'inertie qui est donnée aujourd'hui se lit dans la faible utilisation du chauffage. Mais voilà, j'aurais fait plus de bois, ce que je fais toujours. Moi, j'ai été très impressionné par votre engagement total et la question du sens en fait qui vous anime et la question de la responsabilité qui devrait nous animer tous, enfin, en tant qu'individu, homme ou femme. Comment faire, je travaille au CIE du Finistère, comment faire pour intéresser l'habitant, le responsabiliser sur son habitat et faire qu'il travaille en pleine conscience en fait des enjeux de société, des grands enjeux et des grands bouleversements qui nous animent, quoi. Aujourd'hui, ce que vous nous montrez, c'est des travaux plutôt d'intérêt de maîtrise d'ouvrage public. Et aujourd'hui, on est un peu les mains dans le pétrin. Là. On fait un peu d'architecture comme on faisait de la médecine de guerre. Hein, en tant qu'architecte au CIE, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le goût de l'architecture, qui ne savent même pas ce que c'est que l'architecture, nécessairement, qui ont envie de construire, d'habiter, de se protéger, comme vous le disiez, de trouver une chaleur réconfortante. Mais qui n'ont pas nécessairement cette idée de l'engagement citoyen et du sens que pourrait prendre leur construction dans un ensemble, dans une ville, dans un territoire, etc. Donc, est-ce que vous avez, au-delà de l'exemple peut-être, ou peut-être vous décryptez l'exemple qui était présenté, ou à la manière de Lucien Kroll, vous avez appliqué les habitants à la co-construction du projet? Tout à l'heure, madame parlait de l'éducation des enfants à l'architecture, moi j'y crois profondément, enfin, c'est... Il faut commencer très tôt l'éducation à l'architecture. J'ai écrit un livre pour les enfants dans la collection Junior Art chez Autrement, pour les 8-12 ans. Donc c'est un livre que j'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et je l'ai fait parce que justement je crois à ça profondément, qu'il est nécessaire de montrer à quel point l'architecture nous est indispensable et présente immédiatement à nos côtés. Après, je suis toujours très ému et très admiratif du travail que font les CIE. Je réponds rarement absent à une demande qui est faite par les CIE, parce que la présence sur le territoire des CIE, pour le coup, au plus proche des gens, est une présence indispensable. Et je sais qu'il y a une période de crise des CIE, et qu'il y a un nouveau CIE qui arrive dans le Finistère. Donc, il faut défendre absolument les sérieux, mais peut-être faut-il aussi que vous puissiez vous engager davantage dans les écoles. Je ne sais pas comment, mais j'en suis persuadé, je pense que ça passe par les enfants. Les Belges qui sont extrêmement malins, quand ils font ce qu'on appelle des contrats de quartier, c'est-à-dire des projets de réhabilitation urbaine dans des sites complexes, ils commencent par aller voir les enfants dans les écoles, et avec les profs, ils font faire des travaux
notés, enfin des devoirs notés aux enfants sur des projets de ville et de quartier. Quand vous faites ça, vous êtes sûr que les parents vont travailler sur le sur ce que les enfants vont faire. Enfin, les Belges ont 1000 petites choses comme ça qui sont des façons d'impliquer tout le monde. Après, je pense que notre profession a un défaut, c'est qu'elle abandonne les usagers. Et ça, c'est pas bien. Elle ne va pas suffisamment voir les usagers avant, et une fois qu'elle a livré, elle ne va plus les voir. Et ça, c'est pas bien non plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à nos missions de base, mais il y a quelque chose de cet endroit-là qu'il faut réussir à retrouver ou à trouver. Nous, on essaie de faire le plus possible de lien et de maintenir du lien dans la durée. Et du coup, il y a des choses qui s'inventent, y compris sur les modes de vie dans ce quartier. Et sur des changements de mode de vie des habitants. Il y a une part qui revient au maître d'ouvrage. Ici, Siloge travaille avec un sociologue et anthropologue pour accompagner l'arrivée des locataires dans ce quartier. À la fois en ayant réalisé des films et des petits ouvrages qui expliquent ce que c'est qu'un écoquartier, et en allant voir comment finalement les choses prennent. Le WWF qui nous a suivis au tout début, hein, puisque donc, il y a le label de One Planet Living, WWF qui est appliqué à ce projet, a aussi eu une présence très forte au début pour faire comprendre qu'est-ce que c'était que la biodiversité sur le site, comment finalement. Tout ça pouvait aussi faire du lien social. Aujourd'hui, les WWF a moins de personnel et s'engage moins dans cet objectif de One Planet Living. Mais il y a quelque chose qui est passé aussi dans le travail que fait le coopérateur sur le site pour faire du lien, au point que maintenant, il y a 2 fois par an le nettoyage des berges de l'œuvre qui est fait par les habitants. Il y a plein de petites choses comme ça qui arrivent. Mais Siloge fait un vrai travail sur qu'est-ce que c'est qu'habiter un écoquartier. Et qu'est-ce que c'est qu'habiter cet éco-quartier-là? Mais oui, je l'ai dit, je le pense, et ce ne sont pas toutes les solutions, mais on ne réussira pas à s'en sortir sans la société civile et donc sans les gens qui habitent chez nous. D'où l'importance de les avoir avec nous au moment où on fait la conception, quand c'est possible, ou de trouver des voies différentes pour s'assurer que ce qu'ils ont à nous dire nous arrive. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation, en tout cas pour votre engagement et puis pour, j'ai envie de dire, tout l'aspect pédagogique qu'il y a derrière ça. Vous venez encore en faire la démonstration. Je voudrais cependant me permettre une question sur les aspects économiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en plus ou en moins, c'est-à-dire comment ça se positionne par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme plus traditionnel? Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement, puisque là, c'est. Et donc, j'ai une réponse toute faite. Donc je vous la donne et on en parle après. Donc ça commence par que la qualité environnementale coûte plus cher que l'absence de qualité environnementale, ça va de soi. Autrement, on s'est fait rouler dans la farine longtemps. Donc ici, il y a une qualité environnementale, donc il y a un coût pour la qualité environnementale. D'où le second niveau, c'est quelle stratégie de l'argent a-t-on? Quand on a un budget, où met-on l'argent? La réponse, je l'ai un peu donné tout à l'heure, on met l'argent sur le clos et le couvert. On fait en sorte que quand on vous demande une EVC, on fait du passif, et du coup on fait une enveloppe pour le passif. Et le second œuvre, c'est essentiellement du goût, de la mode, de l'usure rapide, et parfois quelque chose que l'on change très vite après avoir acquis ou être entré dans un logement que l'on a. Donc, investir le moins possible sur le second œuvre, voire ne pas en faire du tout, et autoriser des accessions sur des coques vides ou des projets à terminer, enfin, toutes ces choses qui font qu'une appropriation s'opère. Donc voilà, pour moi, l'argent, on le met sur le clos et le couvert, on arrive au passif et après on est peinard. Ce qui est fait va durer face à l'évolution climatique, parce que le passif, c'est pas juste pour le chaud, hein. Ça aide aussi sacrément à régler des problèmes de surchauffe, par une isolation par l'extérieur, pour dire aux choses vite bien fait. Donc voilà, ça coûte plus cher, et si on veut baisser ça, on baisse l'implication ou l'investissement dans le second œuvre pour donner beaucoup de valeur aux gros œuvres, enfin au plomb et au couvert. Val d'Oreuil, c'est à peu près 15 à 20% plus cher qu'un logement équivalent. Mais il y a une part là-dedans que moi je ne sais pas mesurer, qui est l'engagement, parce que
ce projet est étrange à plus d'un titre. L'entreprise s'est engagée sur les consommations des locataires. Pas mal, hein? Et je pense qu'elle a raison, parce que il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur le passif qui montrent que... ce sont des études qui ont été faites dans les pays où le passif a du sens. Moi, je ne suis pas pour faire du passif en Bretagne, par exemple. Ça n'a pas de sens. Quand vous regardez du passif dans le Nord, en Autriche, en Allemagne, et que vous regardez les résultats 15 ans après, quelles sont les vraies consommations, on voit que même ceux qui ne respectent pas ce qui est nécessaire dans ces contextes-là, c'est de ne pas ouvrir les fenêtres, ceux qui ouvrent les fenêtres, et je les comprends, ne passent pas de 15 kWh à 125 kWh. Ils ont peut-être passé de 15 à 17 ou 20 kWh, mais ils ne vont pas perdre la qualité thermique de l'ensemble. Parce qu'une fois que cette qualité thermique est installée, elle est là. Et que personne ne laisse ouvert toute la journée une fenêtre, surtout quand vous êtes dans le Vorarlberg. Donc le noir est arrivé d'un coup, là, ça m'a déboussolé. Oui, donc, ouais, bref, le passif. Alors pourquoi pas de passif en Bretagne? Parce qu'on est dans des conditions très différentes. Ici, chez nous, il faut ouvrir les fenêtres. Et il faut aussi accepter l'idée qu'on est plutôt dans un climat doux et qu'on peut réussir avec une bonne isolation et un bon apport solaire à s'en sortir. Dans le sud de la France, ça n'a pas de sens, le passif. Il n'y a pas encore un passif sur un clim. Hein, puisque finalement, le passif, c'est juste sur le chauffage. Et donc, jusqu'où le passif a de l'intérêt? Je dirais qu'il y a une espèce de bande qui irait de Caen au Jura, tout ce qui est au-dessus. Là, c'est intéressant de réfléchir au passif. Toute la bande centrale, c'est presque, il faut vérifier vallée par vallée. Et dans le sud, n'en parlons pas. Ce qui est bien avec le bâtiment durable breton, comme bâtiment durable méditerranéen, c'est bien ce regard très spécifique sur le bâtiment et un regard partenarial. C'est vraiment une intelligence sur le projet situé et sur les gens qui se sont engagés pour le faire et comment ça se fait. Et ça, c'est excellent. Moi, quand Rennes Métropole demande qu'il y ait un îlot passif dans chacun des projets urbains, je ne sais pas qui a négocié ça, mais ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il vaut mieux mettre de l'argent dans la qualité de l'enveloppe que pour payer un label. Merci pour votre témoignage. Cette conférence s'adresse ce soir à un public particulièrement averti, formé à la question de l'architecture. Ce n'est pas du tout mon cas. Je suis un simple citoyen, alors conscient des enjeux, mais surtout sensible aux solutions d'innovation rationnelle. Nicolas du CAE a posé la question de la sensibilisation, entre guillemets, des masses, du grand public à ces enjeux-là. Personnellement, je le suis un peu plus, et pour les personnes qui seraient dans mon cas, comment on pourrait contribuer au quotidien à faire changer les choses? Est-ce qu'il existe des formations de sensibilisation à la rénovation? Vous parliez tout à l'heure que l'avenir, c'est pas de construire du neuf, mais de la réhabilitation. Comment des personnes qui souhaitent se former ou être acteurs de ce changement-là, sans avoir une formation dans l'architecture, peuvent faire avancer les choses? En fait, le monde associatif est une richesse incroyable en France, hein, et autour du bâtiment, et autour des pratiques alternatives. Je pense même que c'est le monde associatif qui a réussi à faire en sorte que les pratiques alternatives se pérennisent. C'est pas venu du monde du bâtiment.
Il y a quelques compagnons du devoir, enfin, il y a quelques artisans, y compris locaux, qui ont maintenu des savoir-faire, mais vraiment, c'est pas le monde du bâtiment qui a le plus porté l'engagement vers les modes de construction alternatives. Et donc, en regardant bien, vous trouverez beaucoup de possibilités de formation à droite et à gauche. Je ne connais pas les listes, mais je pense que ça peut faire partie du travail des CAUE ou d'autres, de rassembler, ou de la maison d'architecture, je ne sais pas, de rassembler des formations liées à la terre, à la paille, au chanvre, enfin, à tout ce qui est possible de mettre en œuvre de façon contemporaine. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, vraiment. Sur la réhabilitation, je ne saurais pas vous dire, parce que on n'y est pas encore. C'est-à-dire que là, pour le coup, le monde du bâtiment n'est pas prêt à la réhabilitation massive, alors qu'il faudrait. Les grandes entreprises qui font travailler des petites entreprises, hein, parce que souvent les grandes entreprises sont essentiellement des pilotes, ont un peu appauvri le monde des petites entreprises. Alors que c'est sur les petites entreprises qu'on a aussi besoin pour la réhabilitation. Vous savez, les politiques de ZAC, c'est une politique qui est faite pour construire 100 logements ou 50 logements, mais pas moins, 9. Et tout le monde du bâtiment s'est un peu organisé autour de cette approche de la commande. Alors que c'est plus souvent 20 logements occupés, un immeuble de 20 logements occupés qu'il faut réhabiliter que de construire un 59. Et vous savez, ça dépend beaucoup des régions, parce que dans le cadre de la frugalité heureuse et créative, il y a aujourd'hui, dans toutes les régions, pas comme ici en Bretagne, des groupes qui se créent. Et on va se retrouver tous pour la première fois à Los Angeles et à Lens dans un mois. Et ce qu'on attend de voir, c'est quelles sont les attentes et quelles sont les questions qui remontent des régions. Je peux vous dire une question qui remonte de la région Île-de-France, par exemple. À la première réunion, on s'est demandé, mais faut-il continuer à construire ? L'Île-de-France. Sans doute que cette question-là est très pertinente en Île-de-France et qu'elle n'est pas pertinente dans le Finistère. Mais en même temps, elle est importante parce que d'un seul coup, elle oriente le projet vers la réhabilitation, et peut-être que la réhabilitation. Cela étant dit, regardez bien, enfin, je pense que mes confrères peuvent réagir sur ça, mais les équipements publics qui ont été réalisés à partir des années 60-70 passent tous en réhabilitation aujourd'hui. Réhabilitation-extension. La ville de Nantes a lancé quasiment toutes ses écoles d'un coup, là, en réhabilitation-extension. Donc la commande est autour de la commande publique, va aussi passer autour de cet enjeu de la réhabilitation. Voilà. On pourrait parler plus longtemps de tout ça, mais il y a un enjeu très fort sur ça, et il faut que la réhabilitation soit davantage enseignée dans les écoles. Bonsoir et merci pour cette belle soirée. Je ne suis pas même moi-même pas architecte, plutôt journaliste et artiste, mais passionnée d'architecture depuis bien longtemps. Et ce qui me questionne, c'est de savoir quel est le frein. Enfin, vous y avez plus ou moins répondu en répondant à la dernière question. Quel est le frein des constructeurs de béton par rapport à toutes ces initiatives ? Parce que c'est pour eux C'est les pépettes. Hein. C'est le savoir-faire et c'est la difficulté de mettre en cause ce savoir-faire. Mais c'est la France s'est reconstruite avec le béton. Et la France a dégagé un savoir-faire en béton
quasiment unique au monde. Enfin, très longtemps, enfin, Bouygues a été la première entreprise mondiale. Et aussi pour la qualité de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, nos majors sont en train de peut-être de passer à côté de ce changement historique. Alors, quasiment tous les majors ont acheté les entreprises qui font du bois. Très bien. Et comment les utilisent-elles? Il faudrait qu'on le vérifie aujourd'hui. Et les majors s'intéressent à la terre, mais pas suffisamment. Et donc, elles vont être soit dépassées, soit elles vont devoir travailler à l'étranger. Et ça, c'est le pire, serait qu'ils nous bétonnent l'Afrique. Le continent de demain, c'est l'Afrique. On le sait bien. Et si l'Afrique passe à, ne réussit pas à éviter sa bétonisation, on est foutu. Merci. J'ai deux questions. Hein. On va essayer de passer à des questions courtes et des réponses un petit peu plus courtes. J'ai bien compris. Une question sur... Bon, j'ai bien entendu, puis j'ai été séduit par vos propos, mais j'ai pas entendu ou j'ai peu entendu parler de la place de la voiture dans votre projet. Or, quand on est donc gestionnaire dans une ville, la question à laquelle on est confronté en permanence, c'est celle de la place de la voiture. C'est-à-dire que les gens veulent leur voiture, veulent les deux places, les collectivités aussi. Donc, comment allez-vous gérer dans votre projet ou comment pensez-vous gérer donc, la place de la voiture? Ça commence par la voiture n'utilise pas l'espace public et n'est jamais au cœur du projet. C'est une base. Et après, ça dépend des endroits où je travaille. J'ai écrit il y a quelques années une théorie de la ville de la pantoufle, qui est une ville à portée de pied et conçue à partir du logement et pas à partir des axes et des équipements. C'est un travail qui est fait sur le temps de déplacement à pied ou de manière alternative pour fabriquer des quartiers qui sont des quartiers avec une autonomie de fonctionnement. Bon. Quand j'ai dit tout à l'heure il faut se défaire du territoire machiniste, c'est pas une blague. La catastrophe, elle est là, elle est profondément là. Et moi, la résilience, ça me plaît moyennement. La résilience, c'est le rebond. Quoi. Une fois qu'on a touché le fond, on est capable de rebondir. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment posé la question de la cause. Et la cause du territoire qui ne va pas aujourd'hui, c'est parce qu'il a été pensé à l'aube et à l'aune de la machine. Donc il faut repenser les territoires de la proximité, des territoires de la mixité, des territoires où on peut vivre autrement. Alors aujourd'hui, il y a des endroits où on est obligé d'avoir la voiture pour se rendre. Plourin les Morlaix, vous y allez en voiture. Quoi. Sauf que quand vous arrivez dans le centre de Plourin, on a installé le stationnement de telle manière qu'une fois que vous y êtes arrivé, il vaut mieux que vous fassiez tout à pied. Et pour que ça marche, on a ouvert 30 passages dans le cœur de Plourin les Morlaix. 30 passages. Et donc c'est plus facile d'aller du bistrot à la pharmacie à pied qu'avec sa bagnole. Et en fait, c'est cette chose-là que j'appelle la leçon des bourgs, cette porosité. Tout ça, il faut les installer. C'est indispensable. Il faut rapprocher le travail du logement. C'est une des bases. On ne va pas le faire demain, mais il faut que chacun des projets le fasse. Passer la trame piéton à 70 mètres, qui fait que tous les 70 mètres, vous avez le choix pour aller à pied vers une des parties du projet, ça marche. Une fois que l'on a fait ça, il faut peut-être interroger les modes de déplacement d'aujourd'hui. Donc je vous ai dit, je suis le président de la Team Solar Bretagne, et à l'heure actuelle, la Team Solar Bretagne a une mission qui lui a été donnée par la métropole de Rennes de réfléchir au logement de centre-bourg de la seconde couronne. Quels sont les profils sociaux des gens qui peuvent arriver pour vivre dans les logements de centre-bourg de la seconde couronne? Voilà, le travail se fait, on commence petit à petit à voir ceux qui pourraient avoir envie de se retrouver là. Et donc après se pose la question du territoire. Et donc on est en train de proposer des packs mobilité pour la deuxième voiture.
Parce que la deuxième voiture, c'est le gros souci. La deuxième voiture qui coûte entre 6 000 à 8 000 euros par an, quand elle est en panne et qu'il faut la réparer, vous n'irez peut-être pas en vacances, quoi. Et puis c'est celle-là qu'il faut garer. Et s'il vous faut deux places de stationnement dans votre parcelle, comment vous faites dans les logements de centre-bourg? Donc il faut organiser au travers d'un pack, on propose une carte de crédit dans laquelle vous prenez un certain nombre d'éléments. Alors ça peut être évidemment vous payez l'accès au vélo électrique, l'accès au covoiturage, l'accès à la voiture en libre service, l'accès au transport en commun, et aussi votre accès à une énergie verte. Parce que si vous avez une voiture électrique, il vaut mieux recharger votre voiture électrique avec l'énergie verte. Donc on propose des choses comme ça, qui sont d'autres manières de regarder le rapport au territoire que simplement dire, écoutez, la deuxième voiture, c'est obligatoire pour tous les couples. On comprend bien qu'elle est obligatoire, mais pourquoi faudrait-il la posséder? Aujourd'hui, la jeune génération passe son permis de conduire bien plus tard que la précédente et n'achète pas une voiture très tôt. Enfin, on dit même que la première voiture neuve qui est achetée aujourd'hui, c'est après 40 ans. Et pourtant, cette jeune génération, c'est celle qui bouge le plus, donc elle sait faire autrement. Donc nous, tout urbaniste est dans la prospective. Il n'est pas juste là pour dessiner un rond-point ou faire un lotissement. Tout urbaniste est dans la prospective, que tous ces traits sont partis pour vivre une histoire longue. Donc les urbanistes doivent intégrer les changements des modes de vie. Et tous les projets urbains doivent autoriser le changement des modes de vie. Et pour moi, la seconde voiture n'est pas du tout une obligation. Mais il faut organiser le territoire pour ça, et la Bretagne aussi, y compris avec des associations qui sont très bien installées en Bretagne, rend possible le covoiturage, la voiture de location, en accès direct pour une heure ou deux heures. Enfin, toutes ces choses-là existent aujourd'hui. Il faut les installer, c'est tout. Il faut avoir envie de les installer. Et je vous dis que si vous montrez que ça permet de faire des économies pour les couples, c'est comme la petite dame qui habite dans mes logements sociaux. Elle vous montre sa feuille d'EDF. Ce serait mieux qu'elle monte une feuille d'Enercop. On lui dira ça. Parce que dans le pack mobilité, l'accès à l'énergie, c'est plutôt Enercop. Oui, bonsoir. Merci Philippe pour ce beau témoignage. Alors moi j'ai plein de questions. C'est un autre témoignage très court que je vais faire. Tu nous as montré à quel point la qualité d'un projet relevait de l'engagement, du temps nécessaire à une bonne conception, du temps nécessaire à une bonne confiance avec le maître d'ouvrage, du temps nécessaire avec une bonne concertation et une intelligence collective avec notamment les habitants. Alors moi, je voulais juste faire un petit témoignage. Je sais que les architectes vont être d'accord avec moi, les concepteurs, plutôt en direction du maître d'ouvrage. Un tout petit témoignage qui date de la semaine dernière. Je fais pas mal d'éco-quartiers avec tous les guillemets qu'il faut mettre depuis 20 ans. Le dernier que j'ai fait, au moment de la maîtrise d'œuvre, il m'a échappé, il est parti à 3,42% de maîtrise d'œuvre. 3,42%. Et c'est quelque chose qui n'est pas rare en ce moment. Il y a des maîtres d'ouvrage, pardon. Et il y a une libéralisation de la profession d'urbaniste et d'architecte qui, en Bretagne, en tout cas, je ne peux pas dire en Île-de-France, qui est extrêmement inquiétant, et qui forcément va niveler vers le bas, et on ne pourra pas, avec ces taux-là, du tout, avoir la qualité de ces projets. Voilà, je trouve que c'est important de le rappeler, je casse un peu l'ambiance, hein, je suis désolé, mais plus que jamais, c'est important de rappeler que la qualité d'un projet dépend de l'argent qu'on donne aux concepteurs, et que tous les maîtres d'ouvrage doivent bien l'avoir en tête. Voilà, c'était court. Je trouve que c'est important de le rappeler encore et encore. Et que la loi MOP, elle est bafouée depuis à peu près 15 ans. Voilà. Bonsoir. Donc, tout à l'heure, vous rappeliez l'importance d'arrêter la mécanisation par rapport au système de ventilation. Et donc, par rapport au lobby d'Aldès que vous soulignez, comment arriver à un cercle vertueux vis-à-vis de cela? C'est
Le cercle, c'est une somme de petits points, et je pense que le manifeste est en train de créer ce cercle de petits points, parce qu'il suffit juste d'en avoir envie. Vous savez, la Ligombé, c'est celle qui fait la plus mauvaise qualité de l'air intérieur en Europe. La Ligombé, c'est le type de ventilation qu'on installe dans tous les logements aujourd'hui, et donc c'est ceux qui vendent ça, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils nous empêchent de faire autrement. Dans la réhabilitation que j'ai fait dans le Finistère, je vous ai dit, les entrées d'air, on a dû les faire venir de Belgique. Et dans les projets publics où vous voyez les tourelles de ventilation, au-dessus, les chapeaux, ils viennent d'Australie. La société australienne a cherché à s'installer en France, elle n'a pas réussi à s'installer en France. En fait, on n'est pas les seuls à utiliser ça. Et ils ont essayé de s'installer en Belgique, ça aurait pu le faire, mais ça ne l'a pas fait. Donc voilà, tous ces travaux-là, quand je dis « on », c'est un vrai « on », c'est un « on » à Alain Bornerel, tribu et mon atelier, c'est une histoire de longue haleine qui s'installe et qui fait que nous, aujourd'hui, on ne réfléchit plus, hein. On le fait. Et donc, on le fait depuis 2002, notre première expérience a été magique, ça avait été mal dimensionné par ceux qui avaient installé le système, et du coup on était en surpression, on voyait les fenêtres qui passaient vers l'extérieur du bâtiment. Donc on fait attention à tout ça, hein. Mais voilà, ce sont aussi des expérimentations que l'on perd. Aujourd'hui c'est possible. C'est possible et il faut le faire. Mais c'est un vrai travail pour les architectes. Il y a beaucoup des logements qui sont réalisés aujourd'hui sont... vite fait. 97, la HQE arrive en France, la haute qualité environnementale. C'est un moment magique. Avec la HQE, tout le monde du bâtiment s'y retrouve, parce que finalement, les 14 sites renvoient un peu à ce qu'on appelle nous, les CCTP. Et tout le monde s'y signe. Les maîtres d'ouvrage ont envie de faire quelque chose. Et puis, la loi Grenelle arrive, et la loi Grenelle ne parle plus du tout de santé. Alors que la spécificité de la HQE par rapport à Lille, à Bréhame et autres, tout ça, c'est la question de la santé. La France a mis ça en avant. On arrête d'en parler, la loi Grenelle arrive et ne parle plus que d'énergie. Et donc, regardez les panneaux de vente des promoteurs, vous retrouvez des architectures en béton isolées par l'intérieur avec des menuiseries PVC, des volets roulants PVC, sauf qu'ils sont très fiers, ils ont mis RT 2012 moins machin. C'est contre ça qu'il faut résister, parce qu'en plus, dans ce cas de figure, où sont les salles de bain et où sont les WC, contre le voile en béton, au milieu du logement, loin des fenêtres, ou loin des façades. Donc on a fait un retour en arrière incroyable. La loi Grenelle n'a pas aidé, et la crise des subprimes a absolument réglé l'histoire de la santé. Puisque la plupart du temps, les choix faits par les maîtres d'ouvrage n'étaient pas dans le sens de la qualité environnementale. Tout ça est du combat, quoi. Enfin, mais vraiment, c'est... Et il n'y a pas d'autre manière de le faire. Et c'est pour ça que, pour nous, le manifeste de la frugalité heureuse et tout ce qui se passe dans toutes les régions, voire dans le département, c'est joyeux. Enfin, nous, on a été dépassés par l'histoire, pour être très franc. On ne pensait pas qu'on aurait autant de signataires engagés, et vraiment partout, quoi. Et donc le cercle est en train de se constituer, notamment parce que ce qui change, c'est que dans un milieu comme celui des architectes, qui est plutôt dans la compétition, puisque je suis sûr qu'ici, avec des confrères que je reconnais, on a été compétiteurs et j'ai perdu des concours, contre certains de ceux qui sont là. Alors, on est dans une histoire de « je suis meilleur que toi, regarde bien ben, ». Avec la frugalité, tout change. L'enjeu, c'est comment t'as fait? Comment t'as réussi à faire ça? C'est un peu la question que vous me posez, finalement. Et donc cette notion de partage-là, si elle réussit à changer la géométrie du monde de l'architecture, ce serait cool. Le temps passe, on en aurait bien longtemps. On va peut-être prendre une dernière question, ou une avant-dernière question, je pense que pour monsieur. Bonsoir. J'avais souhaité vous connaître. Votre avenir sur l'avenir de la filière récupération de matériaux, de
déchets de chantier ou peut-être industriel, d'incorporer ça dans la construction. Je vais prendre comme exemple un architecte américain, Michael Reynolds, qui réalise des maisons bioclimatiques avec de vieux pneus usagés remplis de terre, des parois composées de canettes et de terre et de verre recyclé, enfin, qui visualise voilà, dans le déchet un nouveau matériau, peut-être à côté du matériau naturel, voir le déchet, comment on peut le retraiter. Je voulais connaître votre avis sur l'avenir de tout cela. Je n'ai plus le chiffre, mais quand vous voyez passer 100 camions devant vous, donc je n'ai plus le chiffre, donc vous entendez bien, c'est un ordre de grandeur et pas de réalité. Quand vous voyez passer 100 camions devant vous, il y en a 60 remplis de déchets du bâtiment. Donc on va peut-être arrêter ça, et effectivement, réfléchir à déconstruire et pas démolir, même si le mot déconstruire aujourd'hui est un peu passé dans les mœurs, mais il faut déconstruire. Et en Bretagne, il y a une filière qui se monte et qui se crée. Mes étudiants de troisième année en ce moment travaillent sur un projet qui va être réalisé sur le campus de Rennes 1, qui est un espace de coworking pour les étudiants. Et l'objectif, c'est de le construire entièrement en matériaux recyclés. Donc ils ont très régulièrement des conférences autour de tout ça. Et récemment, une de nos consoeurs, qui s'appelle Sarah Fruit, qui est installée à Langouette et qui est uniquement spécialisée sur ça, est venue leur expliquer ce que c'est que construire avec des matériaux recyclés. Enfin, c'est toujours la théorie du frigo. Est-ce que tu vas acheter ce dont tu as besoin pour construire, tu le mets dans ton frigo? Est-ce que tu ouvres ton frigo, tu regardes ce qu'il y a et du coup, tu construis à partir de ce que tu as dans ton frigo, enfin, tu fais la cuisine. Et l'enjeu, c'est que tu construis à partir de ce qui est disponible. Et tout n'est pas disponible. On ne peut pas tout récupérer. Mais il y a déjà beaucoup de manières de faire comme ça. Il y a des sites à construire autrement, je pense, où l'on réemploie le matériau, qui est un ancien de nos étudiants de la Team Solar, qui aujourd'hui vit sa vie et vit une vraie vie d'architecte engagé sur ça. Sarah Fruit nous a montré une carte de l'ensemble de la Bretagne et des endroits où il y a des recycleries, où il y a déjà des possibilités d'aller vers des matériaux. Et donc, c'est sans doute pas encore totalement organisé, mais ça s'organise et c'est indispensable. Et ça va changer les manières de faire, à la fois nos manières de faire, puisque là, tu dis plus je vais le faire en béton, tu vas voir ce qui est disponible, peut-être qu'il y a des dalles en béton, et comment tu les utilises. Mais tu regardes autrement la ressource, deux fois moins de ressources. Et il y a eu des salles magnifiques expositions à Compagnon d'Arsenal à Paris, dont encore eux étaient les commissaires. Le catalogue est très intéressant parce que ça montre comment, un peu partout dans le monde, le réemploi permet de faire des architectures émouvantes et de très belle qualité. Donc il faut regarder ça, c'est évidemment une des pistes conséquentes. Mais ce n'est pas gagné parce que l'enjeu, ce sont les assurances. On a été récemment en relation avec la MAF et celui qui est responsable des sinistres à la MAF nous a montré un tableur qui n'est pas encore public sur la façon dont tous les autres assureurs s'engagent ou non sur le réemploi. Et là, ça devient... Donc tu as la liste des matériaux d'un côté, tu as la liste des matériaux comme ça, tu as les assureurs comme ça, et puis tu as les petits croix, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Tu n'as quasiment que du non. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut réutiliser et pour quelles raisons? C'est un enjeu à la fois avec ton bureau de contrôle, avec ton assureur, et avec ce qui est disponible comme chantier. Parce que l'enjeu, c'est de repérer à l'avance les chantiers de déconstruction. Et de se présenter pour le chantier des constructions en faisant des choix. Et c'est une manière de vivre son métier très différent et qui est certainement passionnante. Donc en tout cas, vous pouvez appeler Sarah Fruit et elle pourra vous en parler. Mais aussi, il y a eu un moment assez important autour de l'Hôtel Dieu à Rennes. Donc l'Hôtel Dieu, c'est aussi encore eux qui s'occupent de l'Hôtel Dieu en ce moment, je pense.
Et du coup, il y a eu un moment d'échange autour du réemploi des matériaux. Donc, il se passe quelque chose en Bretagne avec ça. Et donc, oui, réemploi des matériaux. On t'écoute très bien toute la nuit, Philippe. J'ai le rôle difficile d'annoncer peut-être la dernière question, peut-être avant qu'on sépare, si quelqu'un ne veut pas partir avec une question, on ne va pas frustrer quelqu'un. Est-ce que je passe le micro à quelqu'un? Non, pas de frustration, ben c'est formidable, donc on a des réponses à nos questions. Je voudrais quand même, avant de clore la séance, remercier l'association PenerWeb, qui est venue avec René et Dominique faire les prises de vue. Donc vous trouverez donc l'intégralité de la conférence sur le site de l'association PenerWeb, et puis sur nos sites respectifs, bien sûr, dans un délai raisonnable. Voilà, donc je vous invite à venir la revoir et puis à en parler autour de vous, effectivement. L'idée, c'est bien que tout ça se propage. Merci à vous tous pour votre présence à cette soirée ce soir. Bien sûr, maintenant, c'est 3 mois d'animation, de visite, d'exposition, etc., qui s'offrent à vous. Vous avez le programme, ou si vous ne l'avez pas, il est en téléchargement libre sur le site du CIE. Et puis surtout, merci Philippe d'être venu jusqu'à nous. Et puis à travers toi, je remercie bien sûr Dominique Ozenberg et Alain Bornaret, puisque c'est au nom de vous trois, bien sûr, que tu as parlé ce soir. Merci.